Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je pense à faire ces vidéos. Et ça fait un moment du coup que j'entasse un peu tout ça chez moi. Donc il était temps que je tourne cette vidéo. Je voulais qu'elle commence à partir de septembre. Nous sommes en septembre, ça tombe très bien. Je suis toujours là, Baby Chou aussi. Et bah pour passer le temps, du coup voilà, je me suis dit autant faire cette vidéo tout de suite. Comme ça, elle sera faite et je pourrai enfin tout jeter. Alors, ces vidéos, ce sont les vidéos « Je rachète ou je rachète pas » des produits que j'ai testés par moi-même, que j'ai achetés, que j'ai testés. Vous dire ce que j'en pense, si c'est des produits que je rachèterai ou pas. Et donc, ça fait plusieurs mois. Ça fait pas 6 mois non plus, mais ça fait quelques semaines que... j'ai gardé certains produits de côté pour justement vous en parler, certains produits qui me paraissaient bien ou non en fait, enfin que je trouvais en tout cas intéressant d'avoir un retour dessus. Bref, donc je vais commencer par mes filles parce que du coup j'ai une petite sélection pour les filles avec certains produits qu'elles utilisaient. On va commencer avec ça, c'est le gel lavant au calendula bio de chez Corinne de Farm. C'est un produit que j'avais eu les Ifluen 4. Ouais, sur les Ifluen 4. Et ma foi, bah, il fait super bien son job, hein, il est bio. Donc voilà. 96% d'origine naturelle. Et il sentait bon. Ouais, il sent super bon, il a une odeur un peu de bébé. Donc bon, les filles sont grandes, mais voilà, j'ai bien aimé. Le racheter, si je le retrouve, pourquoi pas, faudrait que je regarde. Mais en général, j'aime bien tourner un peu sur les produits. Donc à voir, mais si je retombe dessus, ouais, je pense que je le rachèterai. Donc voilà, premier produit. Ensuite, je leur avais pris celui-ci. Je sais plus où je l'avais pris, c'est donc le format pousse-pousse de chez Cadom. Donc il fait le corps et les cheveux. Faut savoir que pour la grande Lina, j'utilise maintenant un gel douche et un shampoing parce qu'elle a les cheveux très très longs qui lui arrivent aux fesses et que je trouve ça plus pratique de lui laver avec un vrai shampoing, pardon. Maëly par contre elle utilise encore ce genre de format qui fait les deux, donc le corps et les cheveux. Là c'était à l'amande douce, si je dis pas de bêtises, voilà, aux huiles d'amande douce bio. Il est hypoallergénique, sans parabènes, enfin voilà, j'avais pris un gros format, donc 750 ml. Ma foi il était bien. Après il faut savoir que je fais pas trop attention à ce qu'il y a dedans ou pas. Enfin, ouais, je sais, c'est pas bien, machin. Faudrait que je regarde de temps en temps un peu ce qu'il y a comme cochonnerie dedans, mais j'avoue, je suis pas très. Enfin voilà, si je vois, je ferai au mieux de façon à ce qu'il n'y ait pas. Maintenant, je vais pas dans le rayon et je regarde pas forcément toujours la composition. Donc voilà. Celui-ci, je pense racheter aussi, il sentait très bon. Enfin voilà, rien de spécial, il l'avait très bien. Donc c'était le principal. Et alors mes filles, avec l'été, elles ont, quand elles allaient à la piscine, donc on n'est pas parti à la mer, mais quand elles allaient à la piscine, ou qu'elles prenaient le soleil, etc., après la douche, elles s'hydrataient beaucoup le corps. Et pour ça... elles ont pris celui-ci, c'est le Mixa, donc le lait corps réparateur. Normalement, il est pour adultes, si on peut dire pour adultes. En tout cas, c'est moi qui le mettais, mais avec la grossesse, j'aimais pas trop l'odeur. Donc, même maintenant, l'odeur me... enfin, ça sent bon, hein, mais... je sais pas, ça me convient, enfin c'est pas que ça me convient pas, mais voilà, sur mes filles ça allait très bien l'odeur, mais pas sur moi. Sur moi je trouvais que ça sentait trop fort. C'est à l'allantoïne, pareil,
Je ne suis pas sûre que la composition soit super clean, mais bon, je... Donc voilà, ça c'était pour donc, les filles, ce qu'elles ont utilisé, en tout cas une partie de ce qu'elles ont utilisé. On va passer à mon côté, et le côté aussi un peu de mon homme, sur certains produits, notamment dans la douche. Je vais commencer du coup par tout ce qui est... Je ferai le make-up après. Alors, on va commencer par ça. Je passe régulièrement, enfin régulièrement, quand ils en font en tout cas la promo, je passe commande pour les gels douche de chez Yves Rocher. Ils sentent super bon. Ces deux-là, c'est Pamplemousse de Floride. Ouais, ils sentaient super bon. Je sais que cet été, j'avais bien aimé le prendre parce que justement, il était frais. Enfin, vraiment, il avait une trop trop bonne odeur. Et celui-ci, alors celui-ci c'est mon mari qui préférait, c'est à la fleur de tiare. Ça sentait bon aussi également, mais pour moi peut-être l'odeur un peu trop prenante. En tout cas quand je me lavais, donc ça me gênait un peu. Donc celle-ci c'est Damien qui l'a utilisée principalement et celui-ci plus moi. Bon après on l'utilisait à chaque fois les deux sans souci. Toujours dans la douche, tout ce qui est... shampoing. Voilà. Alors, shampoing, j'en ai utilisé principalement deux. Donc là, il y a un moment que j'ai pas refait de couleur. Je coiffais un peu la Walligan. Que j'ai pas refait de couleur. J'avais pendant un moment une couleur un peu rouge. Ouais, un peu rouge bordeaux. Et du coup pour entretenir ça, j'avais pris celui-ci. Ouais, je regardais celui-là mais c'était pas celui-là. J'avais pris celui-ci, c'est le Elsef Color. Donc pour les cheveux colorés ou méchés. Ah non, ça c'est le soin des mélans. Je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est la crème. J'ai pas gardé de shampoing. Ah, je suis bête, j'ai pas gardé de shampoing. Bref. J'avais le shampoing, donc de la même gamme, donc Elsef Color, Color Vive, donc pour les cheveux colorés ou méchés, donc j'avais le shampoing avec là, c'est le soin, donc j'en étais plutôt contente, ma foi, il faisait bien son job, je trouvais, sachant que quand je fais mes couleurs, ils ont tendance à un peu sécher, ce qui est normal au niveau des pointes, et puis là, ils étaient un peu abîmés en plus, donc voilà. Ils sont trop bons. J'aime beaucoup l'odeur de chez L'Oréal en tout cas. Donc voilà. Ça, je sais que je rachète en général cette gamme-là quand je refais des couleurs. Plus quand ce sont des couleurs justement dans les tons rouges. Ou. Ben rouge, parce que de toute façon. Rouge ou. Comment on appelle ça Ou prune. Donc quand c'est des couleurs voilà, qui tirent un peu sur le rouge, prune, etc. Je prends cette gamme là. Quand ce sont des couleurs habituelles que je fais, notamment ces derniers temps, je suis repassée au châtain un peu. Là je prends des shampoings plus ou moins normaux. Enfin, j'ai l'impression que ça dégorge moins. C'est peut-être qu'une impression, mais bon. Enfin bref. Donc voilà, ceux-là je les rachète pour mes couleurs, on va dire hivernales. Ça, c'est un shampoing que j'avais eu dans une box, si je dis pas de bêtises. C'était peut-être une bitrousse. Head and Shoulders. Donc, contre les pellicules. Un anti-pelliculaire, force et densité. C'est une édition limitée, on s'en fiche un peu, je pense. J'en achète de temps en temps des Head and Shoulders. Parce que Lina, avec ses longs cheveux, elle a tendance à avoir des fois des pellicules. Donc voilà, je lui en prends, je lui en fais pas tout le temps. Mais c'est vrai que quand elle a des grosses, je sais pas si on peut appeler ça des crises, mais il y a des périodes en fait où elle va en avoir plus que d'autres. Et dans ces moments-là, je rachète ce shampoing-là. Je trouve qu'il fait super bien son job et en tout cas, à chaque fois, ça lui enlève donc voilà, donc ça je rachète sans problème. Ensuite ça c'est quoi, c'est make-up
Ça. Alors, c'est une crème pour le corps que mon mari utilisait après le soleil en général, quand voilà, après le soleil pour sa peau. Donc c'est celui-ci, ça vient de chez Nivea, c'est le Smooth Sensations. Bah, il en était content. Moi pareil, j'en mets pas, je trouve. Quoi qu'encore, là, l'odeur, ça va, mais c'est au lait, donc l'odeur passe assez bien. Mais moi, j'avais mes produits spéciaux pour la grossesse, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Voilà, j'avais des produits exprès pour la grossesse, donc voilà. Donc ça, c'est principalement mon mari qui l'a pris, racheté, je sais pas, parce que en général, on change. On n'a pas du tout des peaux qui supportent pas, on va dire, les produits. On a des peaux assez cool. Et c'est vrai que du coup, on supporte assez bien plus ou moins toutes les marques. Donc on prend ce qu'on trouve bien souvent. Donc là, c'était Nivea. Donc elle était bien, hein, elle a fait son job. En tout cas, voilà, Damien m'a pas dit que c'était nul. Donc voilà. Après, pour moi. Pour mes cheveux, j'avais pris ça cet été. Ça vient de chez Schwarzkopf. C'est une huile précieuse, c'est un lait démêlant. Donc là, j'en ai plus, mais en général, c'est, vous savez, c'est, il y a la moitié lait, moitié huile. C'est pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Ça démêle. J'en avais déjà acheté, il me semble, et je le prends principalement pour l'été parce que justement avec la piscine, le chlore, etc., ça a tendance à bien abîmer les cheveux et ça j'aime bien. Donc ça je le rachète sans souci, il démêle super bien. Je le mets après ma douche bien souvent, je le vaporise, je démêle mes cheveux et c'est vraiment nickel, il laisse les cheveux doux. Donc voilà, je rachète sans souci. Après, on va passer tout ce qui est côté soins du visage, make-up, etc. Alors, j'avais cette lotion tonique qui vient de chez Leclerc. C'est la marque Repair. J'en ai pas été super. Ils mettent que c'est pour peau mixte et normale. Ils mettent que ça hydrate. Bah moi j'ai pas trouvé tant que ça en fait. Je suis pas une trop grande fan. Ça c'est mon téléphone. Je le rachèterai. Je pense pas que je le rachèterai celui-ci. J'en ai pas été super déçue. Bah déjà parce qu'il m'a pas coûté les yeux de la tête. Mais je rachèterai certainement pas, je pense, parce qu'il est pas. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il hydratait pas super bien. Donc voilà. J'avais eu aussi dans une box il y a très longtemps, parce que je l'ai ressorti au moment du début de ma grossesse. Ça vient de chez Pulpe de Vie. Oui, c'est ça. Fais-moi de l'œil. C'est un masque pour les yeux. C'est sur un format pompe. Hop, donc comme ça. Hop, et donc voilà, c'est une pompe, tout ce qui est de plus classique. L'odeur est spéciale. Je sais que quand je le mettais le soir avant d'aller me coucher, en fait, je le mettais sous les poches. Mon mari me disait que ça puait. Donc c'est au kiwi, à la prune et à la figue de Barbarie. Moi, l'odeur ne me dérangeait pas spécialement, mais bon, Damien n'aimait pas. Après, je trouve pas qu'il ait spécialement fait son job, mais à sa décharge, j'étais pas très assidue. Je l'ai pas mis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dirais quand même que ça a bien, on va dire, décongestionné. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vraiment j'avais des poches. Donc là, ça faisait bien son job dans le sens où je me levais le lendemain matin, je renettoyais mon visage. Et bien souvent, j'avais plus les marques, enfin en tout cas plus les poches. Maintenant, voilà, on va pas se mentir, ça n'a pas effacé les cernes, hein, c'est pas un produit miracle. Mais effectivement, c'était un peu plus.
un peu plus, comment on appelle ça? Un peu plus atténué, si on peut dire ça. Voilà, un peu plus atténué, maintenant ça ne l'enlève pas. Mais j'ai trouvé que c'était, voilà, un bon produit que je ne rachèterai pas, je pense. Parce que voilà, ouais, je rachèterai pas. Je sais pas. Non, ça me. Voilà, et puis voilà, vu que l'odeur de toute façon ne plaît pas à mon mari et que je le mets avant même coucher, enfin bref. Donc, mais sinon, c'est voilà, un produit qui est pas trop mal. Ensuite, j'avais une crème de jour de chez Viadermine. C'est l'hydratant matifiant soin de jour, donc pH 7. Il est bien parce que c'est un produit que j'avais déjà racheté, seulement il m'a pas convenu pendant la grossesse. Il hydrate bien parce que habituellement il m'allait très bien, donc il hydrate bien. Mais là, avec la grossesse, je sais pas, ça allait pas, ça, j'avais l'impression de. Je mettais la crème et je sais pas, que ça pénétrait pas dans ma peau. Du coup, c'était complètement. Enfin, j'avais la peau grasse, toute poisseuse, là, dégueulasse. Donc, à retester, je pense, quand j'aurai accouché. Enfin, en tout cas, voilà, après l'accouchement, à voir ce que ça donne. Mais sinon, c'est un bon produit, hein. Je l'ai déjà acheté. Il n'est pas très excessif en plus, niveau prix. Je sais plus combien il coûte, mais il n'est pas très très excessif. En tout cas, il est abordable. Donc voilà. Je ne rachèterai pas parce que je suis passée à une nouvelle crème. Une nouvelle crème, en fait. Voilà, je te disais, je vais racheter après la grossesse, mais non. Je suis passée à une nouvelle crème de jour et une nouvelle crème de nuit, dont je te parlerai bientôt parce que j'ai presque terminé les pots, donc ce sera certainement dans la prochaine vidéo des produits terminés. Ensuite, j'avais utilisé, alors je ne l'ai pas fini parce que je n'arrive pas à voir la fin, ce fond de teint. Ah. Qui vient de chez Rimmel, c'est le Wake Me Up Foundation, donc anti-fatigue, effect plus radiant glow. Donc voilà, c'est un truc anti-fatigue et éclat. Je l'avais acheté à Londres il y a déjà longtemps, il traînait dans mes placards et je me suis dit, bon, il y a un moment, faut bien que je l'utilise. Sincèrement, il est bien. Parce que j'en étais assez contente, à savoir qu'il est assez couvrant. Donc, par exemple, je l'ai mis avant l'été parce que j'avais un peu une sale tronche et qu'il fallait couvrir les marques de fatigue, on va dire, surtout les premiers mois de grossesse. Mais clairement, je ne l'ai pas du tout utilisé cet été parce qu'il était beaucoup trop. Enfin, ça faisait un. Ça faisait trop épais sur ma peau, moi je trouvais pour l'été. L'été, j'aime bien juste avoir une bébé crème, une CC crème, basta. Donc maintenant, je rachèterai pas parce que je suis pas sûre qu'on retrouve. Je suis pas sûre de le retrouver en France. Et puis que j'aime bien changer en général mes fonds de teint. Je prends ce qu'il y a selon ce que je vais trouver le moment où j'en ai besoin. Mais sinon, il n'était pas trop mal, donc de la marque Rimmel. J'ai testé aussi, donc ça c'est justement après celui-ci, quand on est passé à la période un peu plus été, de chez L'Oréal. C'est la CC crème. Oui, c'est ça. La Nude Magic CC crème. Je sais pas si vous voyez bien en fait, depuis tout à l'heure je vous montre, mais. Je rachèterai pas. C'est l'effet couleur, effet bonne mine. Je rachèterai pas parce que en fait, je l'ai trouvé vachement orange. Je sais pas si c'est ma peau ou autre, mais il en reste un peu. Ça dégouline partout, c'est dégueulasse. Je vais vous montrer. Mais voilà un peu ce que ça donnait sur la peau. Et pour le coup, bah, enfin voilà, ça fait orange quoi. Donc,
Donc je l'ai utilisé. Bah parce que je jette pas l'argent par les fenêtres, hein, je m'appelle pas encore Rothschild. Mais à chaque fois, du coup, j'ai dû bien l'estomper, le mélanger avec une crème bien souvent, ou repasser un peu de poudre. Enfin, franchement, ça a été un peu la galère à... Ça a été la galère et j'ai vraiment, mais vraiment, enfin, je l'ai mis parce qu'il fallait que je le mette. Alors, ils mettent effet bonne mine, hein. Tu m'étonnes, t'arrives avec un orange comme ça sur ta tronche au taf le matin. Ouais, j'ai vraiment pas aimé, et puis même je trouvais qu'ils faisaient des marques. Donc ça, non, je rachèterai pas. Pas du tout même. On arrive à la fin. J'ai testé cette poudre. C'est une poudre qui vient de. C'est une poudre libre en fait, veloutée, qui vient de chez Yves Rocher. Le derrière, c'est un peu enlevé, mais c'est la teinte numéro 2, transparent. C'est la teinte 2, alors je sais plus c'était quoi, c'est transparent quelque chose il me semble. Elle est bien, elle est très bien, enfin en tout cas moi j'ai pas besoin de, je poudre pas, enfin voilà, je suis pas, je poudre pas plus que ça, seulement quand voilà je fais des soirées ou que je veux vraiment que le maquillage tienne comme il faut, etc. Donc elle a fait son job, elle ne coûte pas excessivement cher. Et je l'ai racheté dernièrement parce que j'avais reçu de chez Yves Rocher une carte où je sais plus c'était le produit qu'on voulait au choix gratuit, je sais pas quoi. Comme elle coûte, elle n'est pas donnée, je crois à la base elle doit coûter 20 € et que j'en avais plus, bah ma foi j'en ai racheté. Et puis et je pense la reprendre parce que celle-ci, enfin en tout cas elle me convient bien, donc voilà. Et on va terminer par deux mascaras que j'ai eu ces derniers mois. Il y a celui-ci. Hop, alors, ils viennent tous les deux de chez Maybelline. Je mets Maybelline. Alors, celui-ci, il est un peu. Alors, il a plus. C'est le colossal, je crois. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est le colossal. Hop. Donc il s'est cassé en 1000 morceaux. Hop, voilà. Il a. Comment je vais m'y prendre? Il a les poils. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Les poils sont en. J'allais dire en feutre. N'importe quoi. Bah c'est des poils quoi. Ils sont en synthétique. Je sais pas si c'est du synthétique. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, je pense que vous allez voir à la caméra comment ça rend. Et j'ai pas été super fan. Je le rachèterai pas parce que parce que la brosse déjà je suis pas très, je préfère les brosses en plastique. Et du coup voilà, je trouvais que ça faisait des pâtés. Enfin je sais pas, ça allait pas du tout. Enfin ça allait pas du tout, c'est pas vrai. Ça allait, mais je n'en rachèterai pas. Voilà. Et par contre celui-ci je rachèterai. Quand j'en aurai plus des mascaras, parce que j'en ai plein en ce moment, que j'ai eu dans des box, etc. Donc toujours de chez Maybelline, et c'est le Rocket Volume Express. Et celui-ci, par contre, il est top. Hop, et donc voilà. La brosse, elle est comme ça. Et du coup, je l'ai trouvé plus... Il fait pas la mise au point. Non, il ne fait pas la mise au point, je crois. Voilà, du coup il est beaucoup plus pratique à appliquer, je trouve en tout cas. Plus pratique et surtout on peut. Alors je sais pas comment vous faites, mais moi je sais que je passe une première couche que je laisse un petit peu sécher et je repasse une deuxième couche pour bien épaissir mes cils, etc. Et celui-ci en tout cas je trouve qu'il est top pour faire ça. Donc celui-ci je pense que. Je le rachèterai quand j'en aurai plus. Donc voilà, ça risque d'être un peu long. J'ai pas le temps là à vue d'œil. Parce que c'est la première vidéo des produits terminés. Que ça faisait un moment que je les stockais. Mais là, je vais pouvoir tout jeter enfin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. À vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram, etc., etc., où je suis relativement active.
Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo des produits terminés, je vous dis à bientôt, bisous.